Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Potion Craft. Donc le troisième épisode qu'on va se faire. Dans celui-ci, donc on va tenter de boucler le chapitre 2 si on peut. Et trouver donc entre autres la potion de croissance. La potion de croissance. Ah oui, je crois qu'on peut naviguer avec les flèches, c'est ça, ouais. Ouh, il y a plein de choses dans le jardin. Ok, c'est déjà récupéré. Donc quelque part là-dedans, genre derrière lui par exemple, il pourrait y avoir une autre potion. Derrière lui aussi d'ailleurs. Enfin derrière tout le monde d'ailleurs, il y en a une. Et on voit clairement qu'il y a un trait qui me dit « Mec, par là, il y a une potion. Est-ce qu'on peut aller par là déjà ?» Est-ce que ça c'est... Attends. Oups là, excusez-moi. Ça c'est les vrais problèmes, c'est où est-ce qu'on peut aller avec nos conneries. Ah oui, il y en a une autre aussi par là. Est-ce qu'on peut aller à gauche? Oui, on peut aller à gauche. Ok. On va faire un petit tour à gauche. Attends. J'en veux qu'une, hein. Ok. Ok. Ploup. Tous les petits bruits sont agréables. Dans ce jeu. C'est rigolo drôle. La musique est cool aussi. Je sais pas si vous l'entendez bien d'ailleurs la musique dans ce jeu en fait. Je sais même pas. Je sais même pas regarder si j'avais des retours encore à ce stade de si vous aimez ou pas Potion Craft. Ou si ça vous plaît pas. Je sais même pas encore. Oups. Upsi. Donc là, faudrait descendre. Pas déconnant. Ouais, non, je verrais bien faire un truc comme ça d'ailleurs, tout court. Into un truc comme ça. C'est celui-là qui permet de monter. Hop, donc ça, plouf, comme ça. Oh, va falloir... Ah, c'est de la merde, c'est de l'échec. C'est l'échec. Comment je pourrais m'y retrouver? Ah, je vais être obligé de recramer un truc. Ah non, c'est terrible. Ok, on rigole plus là. Concentration maximale. Ok. Frouf. C'est une potion de lumière. Je vais terminer cette potion et je vais la recommencer tout de suite. Pour essayer d'avoir le bon truc, d'avoir tout de suite la bonne potion enregistrée. En même temps, je regarde la carte pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs. Hein. Je commente rien du tout. Moi, je me laisse porter par l'ambiance, je suis désolé. Hein. Désolé si vous attendiez à ce qu'il se passe des choses. Non. Allumez votre écran et regardez. Il se passe rien. Soyez témoin. Hop. Comme ça. Into comme ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment le pousser au bout. Et on diluera sur l'autre. Ce que j'aurais dû faire de base. Ah, ça m'a l'air parfait, ça. Ça va être la boulette du siècle, c'est ça. Il
Et à partir de là, bah, dilution. On a l'air d'être bon, hein. Pouf pouf. Et donc c'est une potion forte de lumière, donc c'est une potion de lumière parfaite, bien sûr. Ça ressemblerait à quoi? On n'a pas un truc en forme d'étoile ou... Oh, ça c'est... Spatial un peu. C'est un peu spatial. Oh, ça me va. Ça fait un tour de sol. C'est rigolo drôle. Vas-y, admettons. On s'en fout, on a juste changé pour changer. En étoile, bien sûr, en étoile. Ça va de soi. On enregistre cette recette et on la termine. C'est ça. Ok, donc on n'a toujours pas trouvé la croissance. Quand on suit les lignes qui partent. Il me dit pas qu'il y a quelque chose là derrière. Pourtant, je suis à peu près sûr qu'il y a quelque chose. Là, il me signale qu'il y a un truc. Ici aussi, il y a un truc. Il y a un truc par là aussi. J'ai envie de dire, est-ce qu'on peut aller tout en haut là? Parce que, ouais, on ne reste plus rien pour aller en haut, hein. Il nous reste des trucs pour aller à droite. On peut aller à droite et en bas, ouais, on peut tenter ça, vas-y. On fait avec ce qu'on a, peut-être qu'on va trouver par là, je sais pas. Non, on va s'en remettre une, hein. On va s'en remettre une comme ça. On va aller chercher au bout. Et on va aller chercher plus bas. Ok. On a donc bel et bien une potion juste ici. C'est idiot ce que je viens de faire. Faut que je pousse encore à droite ma potion. Et du coup, on va la pousser bien fort à droite. Parce qu'il va falloir la mettre sur la ligne. Oh là là, il va falloir la mettre sur la ligne. Peut pas aller plus loin. Soit c'est bon, soit c'est pas bon là. On peut pas faire. Oh, on n'aura pas. C'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Putain. Bah vas-y. Bon, on va quand même essayer de s'en sortir une de deux. Ah, même pas, allez. Une de un. J'ai vraiment fait de la merde. Une potion de sommeil. Ok, terminer la potion. C'est pas ce que je cherche non plus. On a 15 encore pour descendre. On peut descendre. Par là, il y aurait un truc. Hop. On va le piler. Alors, je suis pas bon sur mes popos, hein. Je suis pas bon, je suis pas bon. Hop là. Moi, j'avoue, on pourrait. Je vais aller craquer ça. Hein. Ok, je la vois, elle est là. Bah, à droite, toute.
ça va être limitless mon truc, hein, encore une fois. Je l'ai encore raté. Je l'ai encore raté. Oh, je suis mauvais. Au secours. Non, c'est zéro, c'est à chier. Ouais, vas-y, hein. On va se la tenter comme ça. Hein. Je viens de rater le coche. Ouais. Je viens de le rater. Et bah, ça sera jamais parfaite. Ah, ça m'énerve. Et bah, tiens, c'est une potion de croissance rapide. Et hop, terminé la potion. Très bien. On a terminé donc la croissance rapide. On a donc pété des niveaux. Du commerce pour faire plus de thunes. Rayon de visibilité. Livre vert apparaissent sur là, ouais. Voilà, chercher du commerce. Hein. Parce qu'il va falloir acheter des ingrédients très vite. Bon, allons voir ces gens. Ah oui, du papier enchanté. Ok, les feuilles d'un livre de recettes sont fabriquées à partir d'un papier spécial. L'enchantement permet de ralentir son vieillissement et de modifier les recettes que vous y consignez. Vous pouvez même effacer complètement une recette obsolète pour en écrire une nouvelle à la place. En outre, les feuilles de papier enchanté s'intègrent facilement à la reliure du livre de recettes. Vous pouvez donc le rallonger indéfiniment. Bonjour, je vois que vous avez ouvert récemment. Moi aussi je suis alchimiste, mais je ne fais que passer dans cette cité. Je veux recueillir quelques ingrédients et vendre mon matériel d'alchimie, d'où ma présence ici. Je n'ai plus grand chose sur moi, mais je n'ai que du papier enchanté à vous proposer. Mais si vous avez besoin de rallonger votre livre de recettes, vous pouvez m'en acheter une ou deux feuilles. D'accord, ouais, c'est bien ça. Oui, j'ai un peu de sous. Alors c'est un peu, hein. Je sais pas en fait combien j'en ai, j'en achète parce que je me dis qu'à un moment donné ça servira. Bon marché conclu. Je peux tenter de lui en reprendre une. Négocier. Ok. Bon, on est bon, hein. La dernière elle passera pas. Hein. Terminé le dialogue. Il me faut un poison violent. Et rapide. Je serai gré de ne poser aucune question et de n'ébruter en rien notre petite affaire. Votre silence sera évidemment généreusement récompensé. Pouette. Cette potion fera l'affaire, mais je paierai plus cher pour une potion de meilleure qualité. Comment ça? Ah, elle n'est que poison 2? Attendez, excusez-moi. C'est du poison 1. Ah, j'ai pas enregistré de poison 2. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi, monsieur. Poison, c'est ici. Attends, poison, il y a quand même moyen. Quand même moyen. T'es mignon, on discute. Il y a quand même moyen de sortir un truc, là, non? Oula, pas si fort. D'accord, c'est genre... ce sera genre forcément dégueu. Comme ça, quoi. Oh, le gaspillage d'ingrédients.
Il est tatillon, hein. J'ai plus de respiration. Hein. Il est tatillon sur les poisons. Ah oui. Ok. Mais moi-même un truc un peu... Voilà, un peu horrible. Voilà. Étiquette... Alors une étiquette, on n'est pas sûr, vous voyez. Petit macaron, j'en sais rien. Il n'y a aucune étiquette qui va là-dessus, de toute façon. Qu'est-ce que c'est que cette nullité? Comme une lame de couteau, parfait. Angle de rotation. Ah. On peut changer l'angle de rota. Ok. Tac, tac, tac. Et du coup, ici, ça devient... de poison... mortel. Tac. Enregistrer la potion. Terminé. Et donc, voici mon bon monsieur. Ce que vous vouliez. Excellent, cette potion, elle est parfaite. 42 balles. Oh, c'est tout. Oh, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ça me dég. La serrure de ma porte d'entrée est bloquée. Comment rentrer chez moi? Vous n'auriez pas une solution? J'ai une potion de force. Je pourrais tenter d'ouvrir très fort ta porte. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai pas... À mon avis, c'est une potion que je vois pas encore. Qu'il veut le monsieur. Là, ça m'étonne qu'ils me disent qu'il y a rien, là. Et si on allait chercher plutôt ce qu'il me dit qu'il y a... Genre, par là, il y a des trucs. Par là, il y a un truc. Qu'est-ce que j'ai? J'ai beaucoup de choses pour descendre en bas à droite. Ah oui, d'ailleurs, j'aurais pu descendre. J'aurais pu descendre avec ça. Faire ma croissance rapide. Ah, attendez, je vais retenter de sortir une croissance rapide pour voir si je peux effectivement y aller avec ça. C'est ça. On va se mettre ça comme ça. Et ça comme ça. Elle est parfaite. Une croissance rapide, une bouteille qui signifie qu'on s'accroît rapidement. Ça fait un peu arbre, un peu feuille. Ouais, pas convaincant, hein. Admettons. Étiquette, truc croissance, quoi. Parfait. De la croissance. Enregistre. Non. Oh là 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 là. Il est bête, le monsieur. Hein. Parfaite, bien sûr. Voilà. Enregistre. Et termine. Voilà. Alors maintenant, j'ai un livre de recettes. Du coup, j'ai celle-là. Et j'ai... croissance rapide forte. Et donc ça, je peux... Suppression de cette recette. Oui. Ok, parfait.
Ah oui, on a vite très vite rempli quoi. Tac. Oui, face. Oui, j'en ai peut-être qui du coup sont pas des 3 étoiles. Genre la potion d'explosion, elle est pas 3 étoiles. Faudrait y penser. Bref, le gars veut de quoi gérer son. Ah, le problème, monsieur, c'est que je suis un peu pauvre, voyez-vous. Pour vous faire des potions, c'est un peu la misère. Je suis sûr et certain qu'il y a forcément un truc ici. Et moi, j'aurais mis l'acide derrière le poison. Donc j'ai envie d'y aller. J'ai envie de me dire que c'est par là. Allez, on va y aller comme ça. Ouais. On va griller toutes nos ressources. Ah, il me reste vraiment plus rien, quoi. Au secours, il me reste plus rien. J'ai mangé toutes mes cloche-fleurs, j'ai plus rien. À première vue, il n'y a rien. Il y a nada. Allez. Non, on peut pas. Bon, on annule tout. Ouais. Bon, c'est perdu. C'est perdu. Il nous reste plus rien. Un peu de quoi descendre. Beaucoup de ça. Si on a quelque chose derrière croissance rapide, pourquoi pas. Mais le jeu a pas l'air de me dire qu'il y a quelque chose derrière. Là, il n'y a rien. On a tout. Faudrait aller en haut. En haut, j'en ai 3 pour monter. J'ai rien. Je peux pas lui faire. Bah, je peux pas. Explose ta serrure. Détruis-la. Et terminé. Au revoir. Bonjour. C'est fort sympathique de voir une nouvelle tête par ici. J'imagine que vous êtes la chimiste qui vient de débarquer. Merveilleux. Pour ma part, je suis mycologue. Dans votre corps de métier, vous devez savoir reconnaître les ingrédients de qualité. J'ai quelques champignons sur moi, je vous montre. Si vous arrivez souvent de vendre autre chose que des champignons, non, les champignons c'est la vie. Et j'ai les meilleurs du coin. Montre-moi Coco. Donc ça permet de descendre. Ça a l'air d'être des grands mouvements surtout, c'est ça qui est bien. Vas-y. Vas-y, va pour se ruiner. Moi je suis d'accord. Ça, c'est typiquement justement le truc qui permet de descendre pour faire des acides, des poisons parfaits. Si je lui prends tout, oh, je suis clairement trop pauvre. Ah, mais je peux lui vendre des pots. Oh. Alors, rapide 2. Poison 2. Somnifère 1. Ouais, je l'ai pas enregistré. Hein. Ce sont des essais nuls. Potion de lumière 3. Potion de lumière parfaite 3. Oh, j'ai 2 fois une potion parfaite. Lol. Mana, elle est parfaite. Potion de feu 2. Je garde que les 3 pour vendre à mes clients. Je lui dois 540. C'est pas négociable. C'est hors de prix. 49, 2 étoiles, je vois pas c'est quoi ces 2 étoiles. Bon bah prends tout ça, c'est beaucoup trop cher. Ça je voudrais en garder, allez, 2. Négocier. Non! J'ai oublié de négocier, quel crétin. Eh bien, retour. Terminé le dialogue, au revoir mon bon monsieur. Je me fous tout seul dedans. Bonjour, les bestiaux de notre village sont malades. Notre voisine a déjà perdu une chèvre et sa voisine un mouton. Maintenant, c'est ma vache qui est victime du même mal. Vous avez quelque chose pour aider mon finel bovin à se ragaillardir? Il me fait peine et notre ferme a besoin de son lait. Je vous paierai un supplément pour une potion très forte. Ouais? Ouais, je me doute pas, ouais. Je suis certain. Certain, ma bonne dame, que...
que ça part. Voilà, ma bonne dame. Négocier. C'est parti. Votre échoppe est devenue plus populaire. Nous avons atteint le niveau 4 de popularité. Félicitations. Je dois démolir un vieil immeuble. Vous avez une potion explosive. Alors, j'ai une potion explosive. Maintenant, c'est une explosive 2 et j'ai pas les 4 les 4 cloche-feu nécessaires. Gepo est devenu moins populaire. J'ai besoin d'une potion de givre. Négocier. Oh, je me suis refait en deux potions quoi, deux ou trois potions. C'est très drôle, on se refait assez vite, hein, mais on est quand même vite dans le mal. Je crois qu'il va falloir que j'augmente le rayon parce que par exemple je vois pas du tout où est la potion de l'acide. Si je pense qu'elle est derrière lui. Hein. Et d'ailleurs, toi, celui que j'ai gardé, il se fait avec des ingrédients que je n'ai plus. Et la question c'est, est-ce qu'on peut pas te faire avec ça? La réponse est complètement. C'est genre, prends-toi. Juste à faire ça. On roule. Voilà. Hop, on change pour, on a dit un violet ou un truc comme ça. Ok. Hop. De poison et on va l'appeler parfait. Tata. La fiole, ce sera un encrier. Ce sera toujours une lame pourrie, un truc déchiré, voilà, très bien. On enregistre et on termine. Tac! Passe une nuit. On passe une nuit en vrai, on pourrait passer. On pourrait même passer cette game. Hein. Trois cloche-feu. Oh la misère. Oh ah, par contre, ça je connais pas. Fruit de glace. Ah, bonjour. Salutations, je suis un marchand ambulant. Je passais devant votre échoppe et j'ai décidé d'y faire une halte. Je pense que certains de mes articles vous plairont et je suis ouvert à l'achat de vos marchandises. Qu'en dites-vous? Que vends-tu en général? Je ne suis spécialisé dans aucun type de marchandises. Je voyage de par le monde, j'achète, je vends, si bien que mon état ne cesse de changer. Ah ouais, le mec vend de tout. Et il vend des pages pas chères. J'aurais bien besoin de toute autre chose sauf des pages en fait. Genre j'ai besoin de ça quoi. Genre j'ai besoin de cloche-feu en crevé. Hein. Mais les cloche-feu coûtent si cher. Si cher. Si cher et j'ai tellement pas les moyens. Si c'était négociable. 7 c'était pas négociable, 7 c'est pas négociable. Sauf si je lui mets une potion dans le bec. Mais mon poison il vaut rien. Ah quoi, c'était tellement pas intéressant de leur vendre des potions en fait. Au revoir, monsieur. J'ai besoin de potions pour faire exploser le puits d'un autre village. Carrément. Ok. Potion d'explosion. Donc, c'est une 2. C'est une 2. Ça prend des éoflores. C'est toi, éoflores. 3 éoflores et 4 cloche-feu. Je pourrais tenter d'aller lui faire une parfaite.
Potion d'explosion. Ouais, c'est ça. Par à gauche. Bon, on a peut-être un truc qui part en haut à droite là, non? Ah non, par contre, on a le givre spécial. On pourrait aller faire une givre. En mode spécial givre. On pourrait complètement aller faire ça d'ailleurs. À l'occasion. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'aller chercher une explosion. Oh! Un champignon de la colère? Ça passe en 4. Ok. Et on aura encore une recette derrière. Mince. J'ai oublié de les envoyer. Souriant. Ce sera qu'une vieille 2 parce que je l'ai ratée. Non. Bah, ce sera une vieille 2, madame. Hein. Encore. Termine. Hop, on y va. Bah, ce sera une potion d'explosion comme ça. Je te la négocie. C'est vendu. La souris. Bien le bonjour. Tout à l'heure, je pêchais au lac dans la forêt. J'ai lancé un bout de ligne et j'ai fait directement une touche. J'ai mouliné pour ramener la prise et tenter de la retirer de l'hameçon, mais le poisson avait de sacrés crocs. Il m'a mordu la main avant de replonger dans l'eau. Ma main est toute enflée. Comment vais-je pouvoir pêcher maintenant? Bah, en achetant une potion comme celle-ci. Pouette. Négocier. Chou, patate, carotte, saucisse, bretzel. Bonne journée. Bonjour, hier je me suis vraiment brûlé la langue avec de la soupe chaude lors d'une soirée chez des amis. J'en ai perdu le goût alors que je suis brasseur de métier. Je dois pouvoir vérifier la qualité de mon produit. Ma langue est hors service, vous n'auriez pas un médicament quel qu'il soit. Et voilà. Bonjour le chimiste. Vous voulez reconstituer vos réserves d'herbes? Oui, vous tenez des services. J'aimerais bien. Quoi? Oh, tenez, j'ai un service à vous demander. J'aurais bien besoin d'une de vos potions. De quel genre de potion avez-vous besoin? Voyez-vous, j'avais l'habitude de cueillir des ingrédients dans un lieu bien particulier, mais presque plus aucune plante ne pousse là-bas. Cela prend un temps fou. Je me demandais si vous n'auriez pas une potion qui les ferait pousser plus rapidement. Ainsi, je pourrais vous proposer encore plus d'herbes différentes. Une croissance parfaite? Ah, il faut que je lui donne? C'est donné. Ah, montre-moi ce que t'as en magasin. Je prends. Ça fait quoi déjà? Ah oui, ça fait des youplaboum, les Trafalgar. De la clochefeuille infinie. Bah ouais, mais il me faut de la clochefeuille infinie, quoi. Clochefeuille est hors de prix! Arrêtez! Arrêtez! Oh là là, je vais prendre deux clochefeuilles, une comme ça. Je négocie. Mais ta mère, ma souris! Je vais me plomber tout seul. Je suis en train de me plomber tout seul à cause de ma souris qui me fait des multiclics n'importe comment. Oh la salope de. Oh la salope! Oh là, j'hallucine.
Ça clique à rebours ou ça clique pas, putain. Au secours! Ça marche avec entrée? Ça marche pas. On est obligé de cliquer. On est obligé de cliquer. Il faudrait bien changer l'attitude du marchand. Bah oui, mais j'ai pas le choix. Ah ouais, bah je paye. Au revoir. Hein. Au revoir. On va faire la gueule ailleurs, hein. J'ai plus rien si j'ai une souris de merde. Hein. Au revoir, ma bonne dame. J'ai mis, donne-moi une potion de soin. Bah ça mérite d'être clair. Non, je suis pas le bon endroit. Tac. Bon, du coup, j'ai pas bouclé mon chapitre avec cette histoire. Avec cette histoire de cloche-feu à la con. J'ai mal au point de ne plus pouvoir venir. Il n'aurait pas une sorte de somnifère. Si. Non. Si, pourtant je te jure j'ai. J'ai, mais je l'ai pas enregistré parce que j'avais dû faire un truc assez minable. Oh, secours. Là. Elle est là-bas. Mais sauf que pour y aller, il m'aurait fallu des machins de roulade, là. Il m'aurait fallu de la roulade, là. Oh. Il m'aurait fallu de la roulade. Bon bah let's go hein. Ouais. Oh putain, j'ai oublié d'enregistrer cette recette. J'ai oublié de prendre la pause. J'ai tout oublié. On est bon, hein. On est parfait. Et ben voilà. C'est fini de m'en négocier. Nous partons bientôt dévaliser des caravanes. Le butin est substantiel, mais il est lourdement gardé. J'ai besoin d'une potion protectrice et fortifiante quelconque. Alors quelconque, c'est pas ce que j'aurais dit. Mon époux part dans les bois pour traquer du gibier. Il aurait bien besoin d'une potion pour l'aider à mieux chasser. Potion de force. Négocier. Voici ma bonne dame. Niveau 5 de popularité, on a gagné un point de talent, parfait. Bon, on va aller chercher plus de visibilité. Je sais pas si dès maintenant ça se voit. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, sauf si des traits sont apparus. Que dalle, il y a rien qui est apparu. Hein. Mais il y a toujours des potions à aller chercher et il y a des trucs que j'ai pas enregistrés parce que j'ai pas fait des parfaits. Bref, il y a un gros boulot. Voilà. Quoi qu'il en soit, bah, on a fait 2 journées d'affilée, on n'a pas bouclé le chapitre, je suis désolé, mais voilà. C'était Knarfonk sur Code d'Habitude Gaming pour PotionCraft et je vous dis à la prochaine.